un oignon rouge entier. Voilà, bien rouge entier. À la main. Oui. Gaël, le jour que je te dis qu'elle fait la blanquette de veau, comme tu vois là, comme si tu ne vois pas. Je ne serai même pas. Salem, tu commences à rire. J'ai saupoudré la farine sur les morceaux de veau. J'ai mis le beurre. Je suis en train de griller. Parce que ce n'est pas une viande du tout. C'est comme le filet. Je grille avec le beurre, tu sens l'odeur, non? Voilà. Moi, je suis un professionnel, vous vous invitez moi. Vous croyez que Salem, toi, tu me goûtes, tu faisais de moi, tu as dit ça avec quoi? Pas dire à Jamie que. Tu as même salué là, est-ce encore une fois? Non, non. Hé, Nathalie! Est-ce qu'on me laisse? Quand maman lance la juste les femmes qui me saluent. C'est toi qui étais têtu déjà. Que je m'engage déjà que. Salem, vous me dites que vous me descendez. Ma fille, vous me descendez. Vous voulez lui dire qu'elle est prête parce que. Non, elle vient au Cameroun. Maman, elle est dans le. Voilà, je t'ai laissé l'autre planche là. Elle vient au Cameroun, on s'installe. Il y a quoi? Même si tu donnes l'or à Benjamin, elle ne peut pas aller à Ben. Non, ma, comment tu dis ça? Ouais, maman. Donc tu peux aller à Ben. Tant que tu es mon fils en formation, quoi? Lui, il me forme qu'elle dit chaque jour que tu es prêt. Loïc a dit qu'il t'amène pour Anne-Catel. Anne-Catel, va. Anne-Catel. Oui, qu'il est prêt. Donc, c'est pas des blagues, hein. Okay. Ne touche pas, maman. Au milieu d'abord, le couteau là n'est pas tranchant, donc ça va pas t'aider. Bien. Oui. Tiens. Oui. Il y a du romarin ici. Il y en a, on a même la tige du romarin. Non? Voilà, comme on coupe le romarin. Voilà le fond de veau. On met le fond de veau dans la blanquette de veau. Vous avez remarqué que je n'ai pas salé, non? Hein? Je n'ai pas salé du tout. Je mets juste le fond de veau. Voilà, pas beaucoup. Ça a beaucoup de goût si tu fais avec l'oignon rouge. Mmh. Oui. Et c'est un plat qui va se manger correctement avec Benjamin, le feu, c'est pas allumé. Hein? Non, c'est le plat qui me dérange. Donc on fait comment alors? Non, je le fais, je l'allume. On l'abandonne. Non, j'étais au fait avec lui, je veux l'allumer. Et tant que je le fais, ça n'est plus là. C'est comme tu vas dire d'abord faire l'oignon. Pour moi, hein, Benjo. Hein? Pour moi, il y a aussi avec le téléphone ici. Viens regarder. Non, il n'y en a plus. Ça, c'est bon. Il y avait. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Tout l'autre avait utilisé. Comment tu parlais aux dames? Quand tu parlais aux dames? Quand tu parlais aux dames? Il y a encore. Regardez un peu dans le cube là-bas de l'autre côté. Ah oui. Bon. Parfait, parfait. Et tu goûtes. Si c'est que ça passe, tu peux le faire comme ça alors. Voilà. N'y a pas. Voilà. Maintenant, je mets les oignons. Et la boîte de l'oignon.
bon? C'est qui, ma? Laisse-moi en croire. Mais, tu vas arriver, non? Non, ça va. Mais mets le sel ici. Non, je n'ai pas encore le sel. Voilà. Maintenant, je rince mes cartes. Tu fais quoi? Ouvre un peu le blanc là. J'ai besoin d'un demi-verre de blanc pour ici. Voilà. Attends, on va quoi? Oignon, carotte. Et on va mettre un demi-verre de blanc. On met la crème. On met le romarin. Et on sale. Et puis c'est bon. Le romarin. Voilà. Le moyen de se mettre là. Oui, j'ai déjà mis un demi-verre de vin, j'ai mis la crème, tout, c'est bon. Maintenant, je vais saler. On va saler en haut. Vous voyez le romarin de mon jardin, hein? Quand on vous dit qu'il y a un ben au pays, vous voyez le romarin de mon jardin. Parce que parfois tu vas au marché, tu ne trouves pas le romarin. Tu ne trouves pas le romarin, hein?
Ici, là, on ne vend pas le romarin. Il y a le romarin, la ciboulette. Tu ne trouves pas? Donc, voilà le romarin de mon jardin. Je veux les herbes de Provence. Herbes de Provence. Peut-être pas. Voilà. Donc, on a le nom de ceci dans la porte. C'est bon. Là. C'est un plat typiquement. C'est un normal. Ouais, c'est déjà prêt. Hein. Un peu de vin blanc, voilà. Un peu de vin blanc. Et c'est bon. Et tu vas voir quand ça va tarir, ça va faire une sauce un peu épaisse. Parce que comme j'ai d'abord mis la farine au départ, voilà. Et ça se mange avec les pommes rissolées. Bon. Oui. Les pommes rissolées, tu les fais bouillir un tout petit peu et puis tu les passes à l'huile. Anna Wama. De quoi vous quoi? De quoi mon travail? Mon beau fait le travail. Ben je mets moi le blanc là aussi. Oh. Réveille Loïc. Il va nous acheter le merlot. On a picolé avant-hier avec Flore, c'est fini. Elle a adoré le merlot là, elle a beaucoup aimé. Le vin préféré de M. Chapi. Appelle Loïc, il va nous acheter, on va picoler ça ce soir bien. Le vin qui s'est appuyé à. Voilà, car. Il y a ça beaucoup de plaisir, elle a adoré déjà. Après, c'est seulement le bras. Bref, le poisson là, on va faire comme on a dit. Félix, mon fils. Tu fais quoi là, Mel? Pardon, ça n'aime pas les condiments, là, elles sont occupées de la braise. Ça commence à trop traîner. Elle dit quoi? Elle a pris les habits hier, elle dit qu'on lui envoie d'abord l'argent. C'est elle qui m'appelle là. Allô? Oui. Alors, je suis à la maison, tout le monde est là. Allô, Louis. Oui, normalement, tu ne viens pas tout le monde. Elle voulait savoir. Il ne peut pas. Hein? Il a quoi? Il a mal à la tête. Il a arrêté. Il m'a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ah bon? Dis à l'autre. Attends. Je ne sais pas à quel point. J'ai vu, j'ai pensé là. Non. Pardon. Arrêtez-moi. C'est bon, non? Allez. Voilà. Ben, je pardon, prends-moi le. Prends-moi mon chargeur dans la chambre. Ou bien sors le cordon et tu prends le machin là, non?
Oh, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs que vous envoyez. Hein. Oh là là, c'était, ça fait plaisir de voir les cœurs, je ne voyais pas avant. Même les commentaires, je ne peux pas voir, mon compte est restreint en fait. Mon compte est restreint. Est-ce que vous regardez même ma recette que je suis en train de faire les filles ici? Hein? Non. Non, ok. Non, je parle de mes followers. C'est mes followers qui sont ma vie. Oui, je demande aux followers, est-ce que quand vous êtes là, ah merci pour les cœurs. Le power band. Tu vois, non? Est-ce que les filles regardent les recettes de la matière? Est-ce que vous, moi, je vous dis que c'est 20 ans de mariage. Ce n'est pas 20 ans de papier de mariage. C'est 20 ans de mariage. C'est 20 ans d'intégration. Quand je vois les putes qui disent que chacune n'a pas de papier, c'est 20 ans. 20 ans d'intégration. 20 ans de plus de 50 plats français dans ma tête. Vous parlez de quoi? 20. Mais sans nom. Non, c'est pas le pétrole. Sans nom, c'est pas le pétrole. Non, moi j'ai essayé. Tu as versé? Tu as versé tout ça. Non, moi, ça sent essayé. Quoi? Ça, c'est un détergent. C'est un truc pour un. Un savon. Mais tu ne connais plus l'odeur du pétrole? Il n'y a pas le pétrole, il y a les papilles. C'est le pétrole qui va donner les pétrole. Je dis, hein? On ne vend pas le pétrole ici. Je ne sais pas si il y en a dans le pétrole. Mais demande à John. Dis-lui qu'on a besoin du pétrole. Oh, essaie de demander. Mais Jean. Quand je vois les femmes qui parlent que. Ah ah! Voilà Nathalie qui dit qu'elle voit bien la recette. C'est dommage que tu ne vas pas goûter. Il n'y a pas la tomate. Les vraies recettes de français. Les vraies recettes. Que tu manges comme ça, que ce soit en grillade, que ce soit en sauce, que ce soit en rôti. Les vraies recettes françaises. Numba uno, c'est du beurre, président. Pas un autre beurre. C'est du beurre, président. Numba uno, quand tu veux que ta nourriture soit nickel. C'est du beurre, c'est du beurre de Provence, c'est un peu de farine. Et du romarin quand c'est de la viande blanche, du romarin, voilà, comme quand c'est du poulet, quand c'est du lapin, quand c'est de la dinde par exemple. Tu comprends? Vous comprenez? Voilà tout ce qu'il faut, la bonne cuisine française. Il faut seulement maintenant savoir ce que tu mets, ce que tu utilises quand tu fais par exemple le poisson poché, quand tu fais du poisson meunière. Je n'ai pas pensé à tant, je leur aurais fait de la sole meunière. Je n'ai pas pensé à tant. Je leur faisais de la sole meunière. Et je me demande si ce n'est même pas ça que je vais faire. Parce que comme elle va frire la sole, elle ne va pas briser. Ils peuvent trouver le pétrole. La sole meunière, c'est ça que je vais faire. La sole meunière, c'est ça que je vais faire et je vais vous recommander. Parce que là, j'ai tout pour la sole meunière. J'ai des agrumes, j'ai du citron. J'ai du beurre. J'ai de l'ail pressé. Ouais, Félix, je vais vous faire à manger où? Je vais vous faire à manger où? Hein? Parce que moi, je serai à Georges V. Est-ce qu'on va aller à manger à Georges V? Est-ce qu'on va à manger à Georges V? Je vais faire tout à l'heure, c'est la seule manière que je vais faire. C'est le haut de gamme. Ma compote, c'est pommes de terre. C'est bon. Bon, toi maintenant, prends le condiment. Tu as apprécié le piment de poulet.
il y a le piment. Mm-hmm. Bon, les condiments, mets ça dans une assiette, tu mets du c'est pour briser. Tu mets déjà, tu as déjà affecté, tu as mis l'huile. Et maintenant, pour le poisson, c'est de l'autre côté. Parce que tu vas ajouter le basilic que tu as écrasé. Voilà. Parce que le poisson sans basilic, c'est pas le poisson. C'est autre chose. Voilà. C'est ça. Pourtant, c'est du bon charbon. Dès que ça va prendre. Le problème, c'est qu'il fallait même les gros plastiques là-bas, c'est les plastiques. Pas les plastiques normalement. Le problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai un cerveau pour 10. Non, ça, tout ça. Non, vos cerveaux sont endormis un peu. Je vois rien tout ça. Ne gâte pas ce que j'ai fait là. C'est moi, il faut que j'ai allumé. Ça commande. Gâtez quoi? Allumez le feu. Non, ça, vous êtes en train de dire si mes étrangers arrivent là et que vraiment je vais vous chasser tout ici. Moi, je ne blague pas. Moi, je vous dis, je ne blague pas. Je dis, Gaël, tu seras dehors. Comme tu as fait le riz, là. Normalement, on devait déjà être à la moitié du prix. Mais tu fais quoi debout là-bas avec les mains oranges? Oui, tu n'as pas vu la fiancée de Loïc. Waouh! Benjamin, ma chère, tu n'es pas chargé, maman. Je te dis que tu n'es pas chargé, maman. Action! Casse! Allô? Oui, c'est comment? C'est bon. Ça va, c'est un peu, c'est la santé. Qu'est-ce que ça fait d'abord les périclats, après les autres, c'est bon. Non, c'est parce que là où je... Baisse la flamme là, le machin là doit s'y après. Non! Donc, Benjamin, voilà. Oui. Ça va. Donc on va mettre là les choses, ça va comme je veux. Enlève ça là-bas. Enlève-moi la couronne. Tu manges le maïs de Pumba. Viens me donner, je l'ai montré pour que tu manges. Oh là là, Benjamin, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai l'argent sur le compte. C'est pas vrai, tu veux nous mettre à l'évo, tu es là. Ok. Oui, c'est parce que le tempo. Mais ça ne prend pas pourquoi? Est-ce que c'est un challenge? Quoi? Il y a la brosse pour nettoyer là-bas dehors. Il y a une brosse pour nettoyer les grillages. La femme des habits disait quoi? Elle envoie, la moto est en train de venir chercher. Quoi? Des habits à la ville. Vous n'avez pas d'habits pour le poisson? Non, elle est venue hier. Elle a pris? Oui. Elle est partie. Peut-être elle n'arrivait pas à m'avoir parce que moi je n'ai pas donné. Donc tout est parti chez vous? Oui. Ah ok. C'est moi seule alors. Mm-hmm. Est-ce que la nappe est repassée? D'accord. Tu fais ma vidéo sur ton truc.
Parce que quand elle prend, tout ça, ça va pas qu'elle quitte sa femme, déjà, non. La maman là, elle met le plat, c'est l'autre, la même chose. Ah, ça va, toi, c'est elle. Bonsoir, on ne pleure pas. C'est ça. Ah, si, voilà ce qui a pris. Vous avez le tal salade, maintenant, c'est le bon aujourd'hui. Alors, c'est bon? Tu as lavé le truc ou tu as brossé seulement? J'ai brossé, maman. Mais tu ne laves pas? Non, mais oui, déranger comment? On ne peut pas briser sur un truc qu'on n'a pas lavé, princesse. Il faut laver, ça reste dehors. Et dès que tu mets ça sur le feu, ça va sécher. C'est compliqué. Encore. Non. Benjamin, donne-moi le boîtier. Mon téléphone, mon chargeur, mon téléphone est déchargé. Il faut maintenant faire avec le machin là. Bon. Je mets mon téléphone en charge. Je vous reviens quand j'aurai dressé la table. Comme ça, comme vous m'avez accompagné et tout, vous allez voir comment se présentera ma table. Ok? Gros bisous et à tout à l'heure. Je vous aime très très fort. Merci de m'avoir accompagné. Et le reste, vous allez découvrir le buffet. Les trois copines mousquetaires, trois puissantes dames de la République. Mais vous n'allez pas les voir. Sinon, vous allez venir voler leurs chaussures parce qu'elles ont les livres, donc dernier cri. Donc 2023. Et les Gucci, dernière sortie. 2023. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, je vous reviens avec le buffet dressé. Bisous à vous.